Écoutez, je pense que plus heureux, c'est pas possible, hein, puisque j'ai fini la présidence avec Toulouse Saint-Jean sur une Coupe du Midi. Je commence la présidence de Toulouse Métropole Football Club avec la Coupe du Midi. Je pense que c'est impossible autrement de ne pas être content, ni surtout remercier tout le staff, remercier les joueurs, tout l'encadrement, puisque tout le monde a participé à cette journée, à cette grande joie de ce soir. Une grande fierté parce que c'est le deuxième. Et faire ce qu'on vient de faire en deux ans, ça veut dire que ça fait 12 victoires d'affilée en coupe. Je pense que les garçons le méritent, hein, parce qu'on est allé gagner souvent à l'extérieur, se qualifier. Donc je dis bravo à tout le monde, à mon staff et puis tous les joueurs, parce qu'ils avaient à cœur de vouloir le garder. Ça s'est enclenché avec notre saison et finalement c'est merveilleux à la fin. Avec ce titre, on peut dire que la saison est réussie. Ouais, bien sûr, réussi. Quatrième en championnat, une Coupe du Midi à nouveau. Bien sûr, c'est des belles saisons. Les joueurs, ils marquent des lignes à leur palmarès. Tout le monde est content. Et puis, c'est le signe d'un groupe. L'année dernière, il y avait déjà un groupe qui l'a fait. Cette année, on refait avec un groupe et ils le font à nouveau. Donc, bravo. Bravo aussi à Mazamé qui a fait un parcours magnifique en sortant des divisions d'honneur, en se qualifiant contre des belles équipes. Donc, je sais que c'est pas une petite victoire, c'est une grande victoire ce soir. C'est mon premier trophée. On a pris ce match très très au sérieux parce qu'ils ne sont pas arrivés là pour rien. C'était le but aussi de marquer dans le premier quart d'heure pour les faire douter. C'est chose faite. Maintenant, c'est vrai que, comme vous dites, le match après a été... on se l'est facilité parce qu'on a été très appliqué et qu'on est resté très sérieux. Fantastique, parce que pour moi c'est vraiment mon dernier match et je finis par un titre, donc c'est extraordinaire. J'ai quand même les autres gardiens qui ont fait le boulot quand j'étais pas là et c'est ça qui est important aussi. On m'a dit que vous partez sur une nouvelle aventure. Ouais. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle aventure? Cette aventure, il s'avère qu'avec ma femme on a décidé de tenter un challenge à l'étranger, aux États-Unis. Et donc là j'ai passé 2 mois là-bas et où j'ai trouvé un travail, ma femme également. Donc voilà, on part sur Miami vivre et en espérant que tout se passe bien.